Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors, nouvelle petite rubrique sur ma chaîne, nouvelle playlist, donc à savoir les tutos de Papy TF. Alors, suite, donc du coup, pour expliquer un petit peu le tout, suite à l'une de mes revues consacrées au Super Mini Plat Live Robot de la série Super Sentai Live Man, où vous aviez été nombreux à l'époque à me demander donc de faire un tuto qui explique la fabrication de ce robot. Et suite donc du coup à mon précédent unboxing où je vous présentais donc le Jet Icarus et le Jet Garuda de la série Super Sentai Jetman, donc Super Mini Plat également, qui m'ont été, je le rappelle, hein, confiés par mon poteau Hakim afin que je les lui montre. Voilà, j'ai eu à nouveau donc pas mal de messages, pas mal de personnes qui m'ont contacté pour me demander donc de leur montrer, de leur faire une petite vidéo tuto concernant la construction donc de ces deux robots. Donc, bah, j'ai décidé tout simplement, donc suite à vos demandes, de me lancer, de vous faire donc ces tutos, à savoir donc que du coup cette vidéo se déroulera en plusieurs parties. La première partie que vous allez voir juste après donc concernera le montage et l'assemblage du Jet Icarus. Donc à savoir par contre que la vidéo risque d'être assez longue étant donné donc qu'il y a quand même 5 véhicules à monter, à assembler entièrement. L'avantage de ces super mini plats, c'est que ce sont des maquettes qui ne nécessitent pas de colle ou de peinture, sauf éventuellement si, comme moi, vous voulez les customiser. Mais là, vu qu'il ne s'agit pas de mon robot, je ne le ferai pas. Et puis donc début de semaine prochaine, lundi, si tout va bien, je vous ferai donc la revue définitive donc du Jet Icarus. Voilà les 5 véhicules. Je vous montrerai un petit peu voilà comment tout fonctionne. Comment ils s'assemblent pour former donc le mode vaisseau principal et puis le mode robot, suivi donc d'une suivante revue normalement fin de semaine prochaine donc qui sera consacrée là encore donc au montage du Jet Garuda et puis donc suite à ça je ferai une énième revue donc sur le Jet Garuda et sur le Jet Icarus et donc la possibilité bien entendu de les faire fusionner ensemble. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement donc sur le montage et l'assemblage du Jet Icarus. Donc voilà, d'avance, merci pour votre indulgence et pour votre patience. Comme je vous le dis, cette revue risque de durer un petit moment. 5 véhicules à monter, c'est pas rien. Je vais essayer de faire au plus rapide, mais en même temps donc d'être quand même explicite le plus possible. Comme ça, bah, mon poteau Hakim, par exemple, si tu veux te lancer dans la construction et le montage de prochaines maquettes, tu sauras comment faire. Et puis vous également, donc peut-être que du coup, ça vous donnera peut-être l'envie d'en faire autant, de vous acheter ces petites maquettes, ma foi, superbes. Et puis voilà, de prendre plaisir également donc à les monter. Allez, go! C'est parti les amis! Ouais, mais comment qu'on fait? Réponse tout de suite les mecs! Ouais! Et puis, d'avance, merci pour votre patience et bon visionnage. Allez, à tout à l'heure, le mec. Tchuss, tchuss. Miam, miam.
miam miam.
yum yum.
Bueno.
Tchuss.
les petits amis, donc c'est ainsi que s'achève ce petit tuto. Mais comment c'est-il qu'on fait les tutos de Papy TF? J'espère que cette vidéo vous a aidé, a été instructive, vous a donné également donc l'envie d'en faire autant. C'est réellement un véritable plaisir à monter. Un petit peu de dextérité vous sera quand même demandé, mais voilà, vous l'avez vu, rien de bien sorcier et le résultat est franchement excellent. Que dire d'autre? Ben, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis, vos suggestions. Au vu de cette vidéo, si vous souhaitez voir d'autres tutos de montage et d'assemblage, donc de maquettes, par exemple, super mini plat comme celle-ci, hein, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc j'attends avec impatience vos retours. On se donne donc rendez-vous début de semaine prochaine pour la revue de cette team. Voilà, l'assemblage en mode donc vaisseau et en mode robot. D'ici là, je vous souhaite autant que possible et au vu des événements actuels, un excellent week-end. Bah, profitez bien malgré tout, reposez-vous bien, je ne dirais pas, amusez-vous bien ou faites bien la fête puisque là ça va être un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, quoi que vous fassiez, faites-le dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très bientôt les petits amis, bye bye, tchuss. Ah ouais, c'est trop cool, oh là là, j'adore. Ah ouais, comment c'est trop fidèle aux jouets d'origine. Oh, trop hâte de voir la prochaine revue, yes. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.